Salut, c'est Kelena et on est de retour sur Assassin's Creed Odyssey, que je n'ai toujours pas fini. Donc, la dernière fois, si je me rappelle bien, on s'était fait mettre en tôle et on avait un peu discuté avec le frangin. Après, on avait discuté un peu avec des PNJ importants. Et là, on va aller faire une vie de théâtre. Donc, Thespis, le meilleur acteur d'Athènes, est introuvable, donc on va essayer de le retrouver. Et il est là-bas. Pourquoi ça fait... Où il est? Non, vous m'avez pas vu, vous m'avez pas vu. Cours, 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 cours. Au revoir. Voilà. Est-ce que je peux pas payer ma prime là parce que d'avoir un mec qui me... Merde. Non, on est dans la tique, on peut pas payer. Attendez. Ah, c'est parce qu'il y avait lui. Niveau 59. Un petit peu plus fort que moi. Ça doit être la maison de Thespis. Allez, c'est forcément ici. Tu ne ressembles pas à un acteur, toi. Sauf si tu joues un garde athénien. Chut. Je vais te poser deux, trois questions, et tu vas y répondre. Mais le commandant Rexenor... Quel est ton nom? Bulis. Eh bien, Bulis, à toi de décider comment tu vas sortir d'ici. J'ai été clair? Oui. En un seul morceau ou en plusieurs, tu choisis. Qu'est-ce que tu as fait de Thespis? Des gens se chargent de le faire boire à la taverne, plus loin. Dis-moi ce que tu cherches. Une pièce de théâtre, c'est tout ce qu'on m'a dit. Une pièce? J'obéis aux ordres, et on m'a ordonné de brûler le manuscrit. Tu ferais mieux de me dire tout ce que tu sais. Tout ce que je sais, c'est qu'on nous a dit de saouler cet acteur. Va voir toi-même, il est à la taverne. Tu es sûr que c'est tout? Moi, j'obéis aux ordres du commandant, je pose pas de questions. Allez, rejoins-nous. Quelque chose d'utile. Rejoins mon équipe. Tu es loyal et tu appliques les ordres. Vous m'accepteriez? À ton avis? L'occasion de quitter Athènes? Merci. Merci. Ouais, voir un peu. C'est lui. Ah, il est violé quand même. Bon, allons à la taverne. Bah alors. Et alors, je dis à l'autre.
ta femme? Pourquoi qu'elle me fait payer? J'aimerais rester, mais ma coupe, elle est vide. Et je dois jouer la comédie, demain. Tiens! Je crois qu'il a assez bu. Et en quoi ça te regarde, toi? Ouais, en quoi ça... Oh, regardez-moi ça. Tu ferais mieux de filer. C'est son employeur qui m'envoie, Aristophane. Et alors? Il ne travaille pas. Ouais, je travaille pas. Mais je l'aime bien. Il est marrant, Aristophane. Mais cette idée, c'est dangereux. Dangereux. Il a raison. J'ai besoin de lui, en bon état. Je crois que tu ne comprends pas la situation. Le commandant Rexenor a ordonné qu'il reste ici. Je dis que je reste. Je suis là. Alors... Allez, cassez-vous. Donc tes hommes hors d'ici. Tu vas regretter ça. Fichez le camp. Vous puez comme des chèvres. Alors allez jouer avec elle. Je suis sûre qu'elle vous manque. Mais... ça parle mal, hein. Très bien. Trop nombreux pour être battus. Il y a tout le monde qui vient se mêler à la bagarre. Cassez-vous. Mais casse-toi. Il voulait. Voilà. Voilà, petit barbecue. Par contre, on dégage d'ici avant qu'ils se ramènent les autres. Pardon. Il a dit que tu portais un masque, que tu risquerais rien. Il a dit... Tu es si forte à catériner. Mes parents disaient que je finirais acteur ou ivrogne. Bah t'as fini les deux, mon pote. Merci, mais tu peux pas aller plus loin. Parce que je suis... amoureux. Je veux seulement que tu sois en état de jouer demain. Bien sûr, et moi je veux ma muse. Mon amour. Je peux pas jouer sans elle. Tu vas jouer. Non, pas sans Akatériné. Un nom divin pour un corps... un être divin. Ces hommes à la taverne, c'était qui? Oh, ces admirateurs, très gentils. Et j'aime les hommes en uniforme. Il faut que tu dessoules. Cette pièce est importante. Akatériné aussi. Il me faut ma muse. S'il te plaît, elle est près d'ici, à l'ouest, à la maison d'Aphrodite. S'il te faut ta muse pour jouer, je vais te la ramener. J'y ai dit, Cléon, nous tuerait tous. Si j'ai bien fait de quitter Kefalonia. C'est plus une attaque. Allez, crame-le, crame-le. Alors, attends.
coup de sauvegarde. Voilà. Ils vont se montrer très vigilants. Si j'arrive à le buter, lui... Et non, te barre pas. Voilà, bouge plus. Oh putain. Arrête de bouger. Parfait. Quelqu'un vient m'aider. Allez, on se barre. Ah, j'ai fait baisser un peu le niveau de recherche. Muse. Tu n'es pas mon type. Trop musclé. Mais si tu as assez de drachmes sur toi, on peut faire affaire. Thespis a dit que je te trouverais ici. Oh, mon cher Thespis. Un artiste dans bien des domaines. Mais parlons plutôt de nous. Non, tu ne comprends pas. J'ai besoin de ton aide. Oui, comme beaucoup de monde. Mes mains guérissent mieux que celles d'Hippocrate. Non. C'est Thespis qui m'envoie. Bon, je ne sais pas ce que tu suggères, mais sache que je ne fais pas de réduction pour ses amis. Non, Thespis veut que tu ailles chez lui. Il a besoin de ton aide pour jouer demain. Thespis aime beaucoup jouer. Mais il faudra bien qu'il se passe de moi cette fois-ci. Mais tu es sa muse. Le commandant Rexenor a été clair. Si je vais voir Thespis aujourd'hui, ça me coûtera la vie. J'entends beaucoup parler de ce commandant Rexenor, ces temps-ci. C'est l'un des lieutenants de Cléon. Des filles m'ont parlé de lui. Il aime bien se déguiser. Il a une jolie cape et un masque. Et il aime cogner. Désolé. Il commande la garnison locale. Ses hommes traînent toujours par ici. Si je partais, il le saurait tout de suite. Pourquoi ce commandant t'a-t-il menacé? Tout ça, c'est à cause de cette saleté de pièce. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour protéger la réputation de Cléon. Mais de là à te menacer? Les acteurs sont superstitieux, c'est bien connu. Le commandant Rexenor sait pertinemment que Thespis ne jouera pas si sa muse n'est pas auprès de lui. Ne t'en fais pas. Je vais aller parler à ce Rexenor. On voit bien que tu ne connais pas la cruauté de cet homme. Il ne s'agit pas d'un banal soldat athénien. Qu'est-ce que tu veux dire? Des réunions secrètes, des visiteurs étranges. Il me donne la chair de poule. Tu vas devoir le tuer. Il n'y a pas d'autre solution. Et si je le fais? Tu iras voir Thespis?
Oh, j'en serais ravie. Où est-il, ce commandant? Dans la caserne, de l'autre côté de la rue, au nord. Les filles doivent se déplacer quand ils réclament leur service. Il n'a plus l'endurance de venir jusqu'ici. Tu peux me le décrire? Il porte un de ces grands casques aussi stupides qu'ostentatoires. Il compense pour ce qu'il n'a pas. Ne t'en fais pas, je vais m'occuper de lui. Comme preuve, rapporte-moi sa petite épée. Je reviens bientôt. Aucun homme n'est heureux avant sa mort. Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a que de la chance. Donc c'est... celui-là. Ah, c'est le dernier de la... Ah, c'est celui qui me manquait, en fait. Voilà. Rexenor est apparenté au culte de Cosmos. Aucun doute là-dessus. Bon. Il n'y a personne. Il n'y a pas beaucoup de monde dans ce truc. Et voilà. Ta mort va te valoir une jolie somme. Ah, hey, oh. Quelqu'un va m'aider, oui. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ensuite, on récupère. Voilà, bon, pas été trop difficile à tuer. Toute flèche perce le bouclier, un nouvel gravure. Super ça. Voilà, bon, on se tire. Ça t'ira comme preuve de sa mort? Je pensais à un autre genre de petite épée. Mais bon, moi aussi. Tant qu'il est
J'ai rempli mon rôle. Toi, assure-toi que Thespis sera au théâtre pour tenir le sien. Est-ce que tu es tendu? Viens t'allonger un moment. On a le temps de s'amuser un peu. Ou tu es du genre travail, travail? Ce n'est pas le moment. Il y a plus en jeu que quelques instants de plaisir. Quelques instants? Je crois que tu te sous-estimes. Le sort d'Athènes dépend peut-être de cette pièce. Il faut que tu tiennes parole et que tu ailles voir Thespis. Ne t'en fais pas. Je te verrai au théâtre avec Thespis. Donc on retourne voir Aristophane. Attendez. J'ai tué beaucoup de monde. Donc il me manque que lui. Ah, c'est Cléon. L'endroit est forcément surveillé. Je dois rester prudente. Oh pardon. Dis-moi que tu as des nouvelles de Thespis. Il va bien. Et il pourra jouer ta pièce demain. Oh, les dieux soient loués. Je sais comment sont les acteurs. Les Athéniens ont des vies compliquées. Je préférerais être paysanne à travailler dans un théâtre. Ah, ce n'est pas pour tout le monde. Mais c'est une vie merveilleuse. Tiens, pour ta peine. Le peuple est peut-être le cœur d'Athènes, mais ma pièce va devenir sa voix. Oh, quel jour heureux pour nos enfants et nous-mêmes! Si Cléon venait à périr... Car vous savez qu'il a été élevé dans une porcherie.
insulte quand je pense que j'allais proposer qu'une statue soit érigée pour chacun de vous en l'honneur de votre courage. Voyez, ils nous traitent comme de vieux gâteux et rampent à nos pieds pour nous berner. Mais la ruse qui abrite son pouvoir va se retourner contre lui. Oh, malheur, les comploteurs m'ôtent la vie. Bah, Cléon, il était pas content. Hein. Alors. Socrate a demandé à Cassandra de trouver à l'acropole des informations susceptibles de retourner la population contre Cléon. Elle lui dit de le trouver à la Nyx dès qu'ils auraient des preuves de sa folie. C'est où? Là-bas. Ça ressemble au genre d'endroit où viendrait Cléo. Attention, il ne faudrait pas qu'on me surprenne ici. Bien sûr, c'est gardé. Alors, là. Interagir avec la porte. Des traces boueuses. Cette personne a dû marcher dans le jardin. Cette pelle a servi récemment. Merde. Excusez-moi, c'était pas le bon bouton. Cléon, ses effets sensationnels ont été déplacés et cachés. Conformément. J'ai gardé la clé en sûreté, blablabla. Donc, pour obtenir la clé, je dois trouver Phaelos, le commandant. Quelqu'un a creusé ici. Waouh, le coffre super bien caché, hein.
On se tire, 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 allez! Allez, on court! Dispersez-vous et traquez-la! Oui, compris. On va se mettre en hauteur, on va attendre qu'il se calme. Est-ce que j'arriverai à le buter de là? Non. Il bouge. Merci beaucoup. Allez, salut. Socrate avait raison. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Ah voilà, ça s'est bien passé. Come on.
Bien, tu es là. Ces gens attendent que je m'adresse à eux. Je crois que ceci devrait pouvoir t'être utile. C'est ce que j'ai trouvé à propos de Cléon. Mytilène n'est que le premier des nombreux endroits qu'il a l'intention de raser. Compte tenu de l'influence qu'il a sur le peuple, il recueillerait chaque fois son assentiment. Alors, c'est à nous de le faire changer d'avis. Maintenant. Tu vas te joindre à moi ? Parler au peuple risque de ne pas suffire. Il faut lui montrer qu'il a tort de suivre Cléon. Je suis surpris de t'entendre émettre une idée de ce genre. À situation désespérée, c'est bien toi qui l'as dit, non ? En effet. Observe-moi et réagis comme si tu étais dans le camp de Cléon, pas dans le mien. Je ferai de mon mieux. Mais Socrate ! Cléon est un homme du peuple ! Dis-moi, si tu blesses quelqu'un avec une épée, n'es-tu pas responsable ? Je le suis ! Et si tu engages quelqu'un pour blesser quelqu'un d'autre, es-tu toujours responsable ? Oui, je resterai responsable. J'admire ton bon sens, et tu as entièrement raison. Si quelqu'un souffre, quel qu'en soit le moyen, dès lors que nous y sommes mêlés, nous demeurons responsables. Donc, nous sommes susceptibles de blesser quelqu'un sans le frapper nous-mêmes. C'est vrai. Alors, j'ai une autre question pour toi. Qui mérite le plus ta confiance ? Le peuple ou l'homme d'expérience ? Peuple. La majorité a toujours raison. Et qui informe la majorité ? Je suppose qu'il s'agit de l'homme au sommet. Et si tu découvrais que celui qui se trouve au sommet a menti à la population, que ferais-tu ? Ceux qui me mentent ne méritent pas ma confiance. À juste titre. Après tout, si quelqu'un te ment une fois, qui te dit qu'il ne recommencera pas ? Oui, c'est vrai. Donc, tu admets que quelqu'un qui te ment est indigne de diriger ? Bien sûr ! Oh, Athéniens ! Admettez-vous, vous aussi, que l'on puisse être responsable du tort fait à quelqu'un, même par le biais de quelqu'un d'autre ? Oui ! Et suivriez-vous quelqu'un si vous appreniez qu'il vous a menti pour servir ses intérêts ? Bien sûr que non. Alors je vous conjure, je vous implore, par-dessus tout, d'écouter mes paroles forgées de vérité. Celui que vous suivez aujourd'hui ment pour servir ses propres intérêts. Cléon vous a menti afin que vous votiez en faveur de l'attaque contre Mytilène. Et nous avons la preuve qu'il va recommencer. Si ce navire arrive à Mytilène, la population sera entièrement massacrée. Maintenant que vous connaissez la vérité, vous pouvez revenir sur votre décision. Il faut demander un autre vote. La vie de ces gens est aussi entre vos mains. Il faut arrêter ce navire. Cela aurait pu mieux se passer, mais le peuple ne peut plus réfuter la preuve que nous lui avons présentée. Mais nous n'avons fait que parler. Nous avons fait beaucoup plus. Nous avons utilisé une preuve et des arguments qui vont non seulement gêner Cléon, mais peut-être aussi sauver de nombreuses vies. Est-ce que ça suffira ? Je crois que la nouvelle de la félonie de Cléon va se répandre dans tout Athènes. Les habitants aiment leur cité et ce qu'elle représente. Personne ne souhaite sa chute. Allez, en retournant voir Socrate. Je t'assure. Non, c'est bon, il me laisse passer.
Bon, et maintenant ? La pièce a eu un grand succès, comme je m'y attendais. Grâce à elle et à la preuve que vous avez présentée à l'Apnix, Cléon a perdu beaucoup de son crédit. Il se rend maintenant à Amphipolis afin de tenter de se racheter. Cassandra, Brasidas m'a envoyé te chercher. Il se porte bien. Où est-il ? À Amphipolis. Il se prépare à combattre. Si tu arrives là-bas avant moi, dis-lui que j'arrive. Eh bien, que comptes-tu faire ? Brasidas a besoin de mon aide. Je vais la lui apporter. Mais si nos chemins se croisent, je n'hésiterai pas à tuer Cléon. Quoi que tu décides, rappelle-toi qu'il n'est qu'un homme. Je ne peux rien te promettre. Sois prudente. Alors, parlez à Brasidas. Qui est ? Il est où ? Allô ? Allô ? Et pourtant, j'ai activé la quête. Il est... Ouais, je vais mettre dans ce sens-là, voilà. Donc, il est vers le haut. Ah, il est là. J'ai juste passé chez le forgeron. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Cheval brun. Voilà. Ensuite... Voilà. Un petit coup de sauvegarde. Histoire de pas faire de la merde. Voilà. Brasidas. Cassandra, content de te revoir et en vie. Pylos a été un échec. Au moins, il me reste mon bras pour me battre. Contente que tu ailles bien. J'ai été heureuse de recevoir ton message. Et moi qu'il te soit parvenu à temps. Dis-moi ce qui s'est passé après la bataille. On m'a trouvé, blessé. On m'a ramené à Sparte et laissé le temps de guérir. Cette jambe ne sera plus la même qu'avant, mais au moins, je suis en vie. Ils n'ont ménagé aucun Spartiate.
J'ai été capturé et amené à Athènes. À Athènes ? Je ne t'en vis pas. Ça prouve qu'il nous reste du travail. Comme toujours. Ah si, Cléon est ici. Tout près. Quelque part devant les murs de la ville. Il a l'intention de prendre Amphipolis. Pour une fois, il va se battre auprès de ses hommes. Il est en disgrâce à Athènes. Il a besoin de se refaire une renommée. Une occasion de représailles. Et ça ne doit pas arriver, n'est-ce pas ? Cléon est ici. Nous devons agir. C'est simple. Avant tout, il faut le trouver. Nous manquons d'hommes, et nos espions disent qu'il a déjà demandé des renforts à Athènes. Raison de plus pour nous dépêcher. Tu as fait tes preuves. C'est un risque, mais j'ai confiance en toi. Nous allons arrêter Cléon. Tu as ma parole. Bien. Allons-y. Vite. Aujourd'hui, nous nous battrons jusqu'au dernier. Personne ne se rend. Allez les mecs, motivés. Les Athéniens sont là. Chargez, Spartiates. Les archers sur les murs. Ah, lui, il va mourir. Ouais, pousse-toi. Voilà. Oh, le bon qu'il a fait. Voilà, lui, il est mort. Lui, on l'achève. Le chien-chien, il est... Non, tu le laisses tranquille, le chien-chien. Voilà. Je sais pas s'il était avec nous. Excuse-moi, je te fais les poches. On attaque. Remplissez ma barre d'ulti. Tiens, bouffe. Oh là là. Tiens, bouffez. Où sont les capitaines? Ah, il y en a un là-bas. Pardon, excuse-moi. Allez. Non, pas lui. Lui. Maintenant,
guerre ! Tu prends vraiment tout trop à cœur. Oh ! Non ! Malheureusement pour toi, il y est. Cassandra, je t'en prie, aie pitié. Vous l'avez retourné contre nous, mon propre frère. Grâce à nous, Deimos s'est élevé. Il est devenu immortel. Vous avez fait de lui un monstre. Alors, bats-toi à ses côtés. Apprends-lui. Tu retrouverais Deimos. Il s'appelle Alexios. Je t'en supplie. Ce monde est en miettes, Cassandra. Et nous allons l'unir. Silence, Sharon. Je suis désarmé. Aie pitié. Même pas en rêve. Tu vas mourir comme tu as vécu. Comme un lâche. Ce n'est pas fini. On se souviendra de tout ce que j'ai fait. Dis ça au grain de sable. Myrin sera ravie d'apprendre la mort de Cléon. Et Brasidas, si j'avais pu atteindre Deimos plus tôt. Pardon. Voilà. On s'en va sans se retourner. Ça c'est à fond, ça c'est à fond. Ça, ah, ça c'est pas à fond. Voilà. Et on peut améliorer la lance. Par contre. Non. Membre du culte. Donc on sait que c'est une femme. Qu'elle a préparé la mort de Périclès. Qu'elle contrôle les deux camps. Qu'elle aspire à la liberté. Une nouvelle ère. Qu'elle exploite la foi. Et qu'elle contrôle la politique à Athènes. Je vois pas du tout qui c'est, mais c'est pas grave. Alors... Il nous a pas filé un truc ? Voilà.
Je vais voir un peu quel type. Oh, il est pas mal, hein. Faudrait juste l'augmenter et lui mettre du feu, mais... Donc ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. C'est tout. Voilà. Quête. Alors, là où tout a commencé... Son passé et nouveau départ. Ouais. On va aller faire là où tout a commencé. Voilà. Et Sparte, c'est là-bas. Est-ce que je peux me TP? Il n'y en a pas un autre? Par contre, allez, c'est parti. La garde sera vigilante ici. Hiya! Oh putain! À la niche! Couche panier! Putain, ils m'ont fait peur. J'étais en train de réfléchir à qui ça pouvait être, mais le dernier membre de... Ah, viens ici! Je me demande si c'est pas la bonne femme de... C'est Périclès qui avait une femme, non? Allez. Monte! Monte sur le caillou! Monte le caillou, voilà. Yeah. Oh, il est pas pratique ce taureau. Sauvegarde avant de faire une connerie. Mon enfant, tu es restée absente si longtemps.
Brasidas est mort. J'ai même pas eu le temps de coucher avec lui. Deimos l'a tué au combat. Et qu'est devenu mon fils ? Cléon a tiré une flèche dans le dos de Deimos. La blessure ne m'a pas semblé mortelle. Il est peut-être en vie. Malaka de Cléon ! Je vais le tuer, de mes mains ! C'est fait, mère. J'ai déjà envoyé ce serpent jusqu'au Styx. Ma famille... Il ne me reste que toi. Mère, il y a une chose que je dois faire. Je dois me rendre au mont Taygetos, là où tout a commencé. J'ai passé ma vie à fuir et à me battre. À fuir mon passé, à me battre pour oublier. Il faut que cela cesse. Mon cœur s'est brisé sur cette montagne. Il faut que je tire un trait sur cette nuit, une fois pour toutes. Je vais venir avec toi. C'est ici que tout a basculé. J'ai l'impression de n'être jamais parti. Alexios ! Et au bord du monde, une mère appelle son enfant. Comme c'est touchant. Alexios, je t'en prie. Tu emploies ce nom comme s'il signifiait quelque chose pour moi. C'est le nom que ton père et moi t'avons donné. C'était avant ou après que vous m'ameniez sur cette montagne pour que j'y meure ? C'était le culte. J'ai essayé de te sauver. J'ai tout tenté. Les prêtres m'ont dit que tu étais mort. Et ils m'ont dit que tu avais abandonné ton fils. Alexios, viens, approche. Nous sommes ta famille. Rentrons chez nous. Famille ? Chez nous ? Ma seule famille est mon épée, et mon foyer, le champ de bataille. Je t'ai promis de le ramener, mère. Mais le culte lui a empoisonné l'esprit. Tu as promis de me ramener ? Ce n'est pas toi qui m'as amené ici. Pourquoi tu ne dis pas la vérité à notre mère ? De quelle vérité parles-tu ? Je suis l'élu ! Celui qui a une destinée ! Je vais imposer l'ordre à ce monde. Toi, tu n'es qu'une... mercenaire, à la lance brisée. Qu'est-ce que je réponds ? Tu n'as pas de destinée ! Tu n'es qu'un instrument ! Un instrument du culte ! Merci d'avoir dit ça. Depuis notre rencontre, j'essaie de déterminer ce que tu es pour moi. Tu es une mauvaise herbe qui menace d'étouffer et de détruire tout ce que j'ai semé. Et pour détruire une mauvaise herbe, il faut la déraciner. Alexios. Quand j'étais petit, j'ai trouvé un lionceau, pris au collet. Mon ami a essayé de le libérer. C'est alors que j'ai entendu
le grondement de sa mère. J'ai regardé. Impuissant. La lionne mettre mon pauvre ami en pièces. Car, chez les bêtes, une famille protège ses petits! Je t'ai aimé! Je t'aime toujours. Celui que tu aimes est mort! Et mon destin m'attend. Je ne vous laisserai pas m'en priver. Alexios, écoute-moi. Tu es mon frère. J'ai essayé de te protéger autrefois. Et j'ai échoué. Mais ça n'arrivera plus jamais. Baston ? Pas baston ? Non ? Oui ? Elle appartenait à notre grand-père. Comme nous tous, Alexios. Cassandra, attends. Merci. Ouh, une ceinture de demi-dieu. Plastron de demi-dieu. Les bottes de demi-dieu, les brassards de demi-dieu. Murmure du fantôme de Deimos. C'est bon. 10% à toutes les drénalines obtenues. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est bon. Alors. Elle est mieux. Elle est pas de même niveau aussi.
Faudrait que je l'augmente pour voir si elle est mieux que la mienne. Fais voir en fond. Voir un peu ce que ça donne. Elle rend un peu mieux sur Alexios quand même. Je vais remettre mon armure. Là. Là. Allez, on va découvrir qui c'est. Dévoilé. Tu l'as vu de tes yeux, l'avenir nous appartient. Je le savais! Dieux anciens et nouveaux. Je le savais! Je le savais! Putain, je me suis fait mal à la main. Alors. Après toutes ces luttes et ces tensions, Cassandra trouva enfin un peu de temps pour elle, pour se détendre et prendre un repas dans un lieu inattendu, la maison de son enfance à Sparte. Par contre, avant de... Ça pouvait être que elle, elle était habillée en violet. Par contre, le mec qui a mis sa quête là, c'est pas le top. Il faut parfois porter un masque d'assurance, malgré l'incertitude qui règne derrière ce masque. La compétence ne se limite pas seulement à la force. Ça, c'est ce que disent les faibles. On va voir qui est faible. Eh bien, au moins, la famille est réunie. Je vais rechercher du vin. C'était pas si mal, pas vrai? Quand je pense que j'ai de nouveau une famille. Les voies des dieux sont impénétrables. On ne sait jamais ce qu'ils nous réservent. Je ne pense pas que ceci soit la faute des dieux, Barnabas. La qualité d'un pot dépend du potier, Cassandra. Oui, mais un pot, c'est facile à briser. Rappelle-toi, quel que soit ton entourage, je serai toujours là. Et les autres nous attendent à bord. D'accord, je te suis. Nouvelle partie plus. Mais attends, j'ai pas fini là. Blabla. Partie plus, une plus menu qui appartient à un fichier de sauvegarde témoignant de l'achèvement du récit principal. Ok. Mais tu veux pas me laisser finir l'aventure? Là, j'ai pas fini, moi. Par contre, inventaire. Normalement, je devrais pouvoir. Non. Oui, voilà, je peux améliorer ça. C'est quoi ça? Donc on va aller
Je me rappelle plus où c'est. Voilà, améliorer la lance. Non. Voilà. Je peux plus me déplacement rapide, voilà. Je me disais aussi, je peux me TP sur l'île. C'est où l'entrée, c'est là. Forge activée. Synchronisation de la chronicité de retransmission. Contact en place. Non, ça marche pas, ça. Voir un peu. Voilà, l'air bien. Alors.
Alors... Il faudrait que je le fasse. Alors qu'il ne restait qu'un membre du culte, il était temps pour Cassandra de remplir son engagement. Pour ce faire, elle dû rejoindre l'endroit où elle avait pris son... a pris son existence. Elle dû retourner là où tout avait commencé. Et c'est quoi les récompenses? On peut pas voir. Non, on peut pas voir les récompenses. C'est où? C'est... Allô? Ah là. C'est ça? Ouais, nouveau départ. Je me demande si je vais pas aller d'abord améliorer mon armure et mes armes. Au moins les faire passer au niveau 59 parce que... Est-ce qu'il y a un forgeron? Oui, là. Bienvenue, Mistios. Alors... On va améliorer celle-là pour voir laquelle est le mieux. Ça. Merci de ta visite. Voilà. Bon, on est paré. Silence.
S'il vous plaît, on arrête de me parler dans ma tête. Je te vole ton pognon, voilà. Oui, j'arrive, deux secondes. Eh, les mecs, ils sont pressés de mourir. Hein. Cassandra. Nous n'aurions jamais dû en arriver là. Il y a bien longtemps, des gens se sont réunis pour défendre une théorie qui, à leurs yeux, aurait pu contrôler l'univers. Selon eux, le monde était constitué d'ordre et de désordre. Mais certains ont embrassé dans leur folie la sinistre cause du chaos. C'est ainsi qu'est né le culte de Cosmos. Ils ont usé de leur pouvoir pour plonger le monde grec dans une guerre perpétuelle. Ton destin était d'y mettre fin. En anéantissant le culte, tu as accompli ce que je n'ai pu faire. Tu es une héroïne. Mais ce déséquilibre a un prix, mon enfant. En l'absence de chaos, l'ordre règne sur tout, empêchant le progrès et la liberté. Mais il reste un espoir, grâce à toi et à l'avenir que tu engendreras. Nous devons réparer nos erreurs. Utilise ce bâton. Répare la faille de l'univers. Le monde dépend de toi, Cassandra. Redeviens une héroïne. Alors, tu as vu, toi aussi? C'est magnifique, n'est-ce pas? Cassandra. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as tué le dernier membre du culte. Enfin, presque. Quoi? C'est vrai, j'ai dirigé le culte, mais très peu de temps seulement. J'ai planqué mon casque dans mes fesses, voilà. Tu as fait alliance avec eux, ce culte maudit! Les puissances en place au cœur du monde grec ne menaient à rien. Le culte voulait faire table rase. Par la corruption, l'argent sale! Il a tué des gens au cours d'une guerre qu'il a déclenchée! Attiser la guerre était l'une de ses méthodes, oui. Mais elle était contrôlée. Jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Dès lors, j'ai désapprouvé les actions du culte. Je croyais que Deimos était de votre côté. Pas comme nous l'espérions. Comme tu le sais, il est incontrôlable. Il s'est élevé jusqu'au sommet, et son pouvoir a largement dépassé le mien. Malaka! Alors tu nous as traqués? Pas vous, votre lignée. Les gens comme Léonidas, comme toi, ont toujours constitué une menace. Puis je t'ai rencontré, et tu m'as surprise. Tu ne ressemblais pas à Deimos. Pourquoi tu ne t'es pas servi de moi? Tu m'avais à portée de main. Tu m'as rendu optimiste. J'ai pensé que tu pourrais m'aider à abattre le culte devenu corrompu. Et c'est ce que tu as fait, sans le savoir. Vous êtes tous pareils. Égoïstes et destructeurs. C'était différent au début. Il ne s'agissait pas de détruire, mais d'infléchir une direction. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que... cette pyramide? Comment fonctionne-t-elle? Et pourquoi est-elle entre les mains du culte? J'ai essayé de comprendre, moi aussi. Mais ça reste un mystère, autant pour moi que pour toi. Cela fait des décennies que le culte vénère cette pyramide. Et nous l'avons utilisée pour remplacer l'oracle de Delphes, la personne la plus respectée du monde grec. Utiliser les croyances envers des dieux morts nous aiderait à remodeler l'humanité selon nos vœux.
La pyramide permet de voir à travers les époques. Mais seuls certains élus peuvent activer ce pouvoir. Comme Deimos et ceux de ta lignée. Mais toi aussi, tu as vu... J'ignore comment ou pourquoi, mais elle m'a montré quelque chose. Qu'est-ce que c'était ? Toi. Dans cette vision, tu détruisais la pyramide et tu anéantissais le culte. Je l'ai vu. Après le culte ? Nous serons remplacés par un autre type d'ordre. Nous vivrons sous le règne d'un roi philosophe. La société s'éloignera des anciens dieux pour privilégier la raison, au sein d'un royaume fait par le peuple et pour le peuple. Je dois trouver quelqu'un capable de le guider. On appelle ça la démocratie. Parvenir en raison du caractère chaotique du culte. Alors, j'ai laissé le culte de Cosmos réaliser ses projets, s'enfoncer dans l'impasse et y mourir. Attends, Périclès le savait ? Je tenais à le protéger, alors je n'ai rien dit. Cela aurait risqué de l'influencer. Mais il n'aurait jamais dû mourir, voilà la vérité. Tu as fait des choix contestables. Mais celui-là était justifié, je crois. Tu le connaissais. Il s'inquiétait sans cesse de l'état du monde grec. Si je lui avais tout dit, ça l'aurait tué. Bon. Et maintenant ? Maintenant, le changement. Une nouvelle république, unie et dirigée d'une seule voix. Je donnerai vie à ce rêve. Il reste pour l'instant un rêve, totalement irréaliste. Oublie ce que tu sais et imagine. Oublie la démocratie. Plus de rouge ni de bleu, mais un peuple uni pour le bien commun. C'est de la folie. Ça ne marchera pas, Aspasia. Ça n'a jamais pu. Non, ce n'est pas fou, c'est éclairé. Lorsqu'Athènes aura vent de tout cela, elle comprendra que c'est là son idéal. Tout comme le tien. Ça, j'en doute. Tu as passé ta vie à penser par toi-même. Laisse-toi aller. Pour ce que je prépare, tu vas devoir me faire confiance. Viens avec moi. Cet avenir n'est pas un rêve. Je la tue ou je détruis l'artefact ? Elle est pas méchante d'un côté, mais bon. Ouais, je vais voir ce que ça fait. Diriger la nouvelle république. Je ne vais pas la diriger. Il va nous falloir quelqu'un ayant le savoir d'un philosophe et la sagesse d'un roi. Difficile à trouver en ce moment. Je n'y serais jamais parvenue sans toi, Cassandra. Tu as fait le bon choix. J'essaie toujours de faire le bon choix. Alors nous cherchons la même chose. Cassandra, il reste beaucoup à faire. Cassandra ! Je ne crains pas les orages. Donc elle l'a mis comme vaincue. Et maintenant ? Je
Le savoir du sens. Ouais, j'ai bien envie de savoir ce qui se passe si je tue. Ce que je vais faire, c'est que je vais la tuer. On va voir ce que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder dans la grotte. S'il me laisse sauvegarder. Voilà. Oui, oui, j'arrive. On va passer parce qu'on l'a déjà vu. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as tué le gros. Blablabla. Tu as pris un risque en me disant ça. Tu sais ce que je fais aux adeptes, Aspasia. Oui, mais je ne voulais plus te mentir. Je ne comprends pas. Blablabla, ça change de sujet. Blablabla. 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 Tu as trahi sa confiance, alors on va faire chier. Blablabla. Bon, maintenant. Blablabla. Blablabla. Viens. Ah! Non, j'ai pas envie de l'embrasser. Je ne peux pas te laisser faire. Tu as déjà causé trop de dégâts. Tu as détruit le monde grec. Alors tu ne comprends vraiment rien à nos actions. Je me suis trompée sur ton compte. Moi aussi. Hop, elle se défend! Oh, ça me met des patates. Il reste beaucoup à faire. Blablabla. Oui, passe. Passe, on l'a déjà vu ça. Cassandra, Cassandra. Non mais l'autre, elle met des patates. Où elle met des patates, elle? Bon, mais voilà. Donc c'est tout, le truc il se termine comme ça.
Bon, il me reste ça à faire. Mais ça sera pour une autre vidéo et j'ai aussi les... Ah oui, j'ai ça aussi. C'est quoi ça? Terminal entre deux mondes. Ça aussi, ça sera pour une autre vidéo. Bon, mais voilà, on a buté tout le monde. Hein. Voilà. Tout le monde, il est mouru. Bon. C'est moi qui ai pris cette photo? Ah ouais. Ça fait tellement longtemps que j'y ai joué, je ne me rappelle plus des photos que j'ai prises. Là, il y a plein de nouveaux trucs qui sont apparus là. Bon, là, il va falloir encore faire le tour des îles. Bon, je vous dis à la prochaine.